السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير بونسوار مرحبا بكم ان شاء الله راكم بخير وعلى خير بونسوار اتوس ان شاء الله راكم بخير وعلى خير صحة صيامكم صحة فطوركم بيافوني مرحبا بكم ان شاء الله راكم بخير سلم عليكم كامل سان اكسيبسيون Donc, comme euh, d'habitude, donc hein, je vais saluer le Khawal Donc, euh, il faut que je remonte. C'est le rituel, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut saluer tout le monde, c'est comme ça. Donc, mettre à l'eau. Donc, Nelwal Hamid Mrakhbabik, Khoya Mehdi, bienvenue Khoya, Walikum Salah Motullah, Lobomat Mat, Khoya, Anti-Monteur Mrakhbabik, DZ Force. Cavalier, ténèbres, Marahbabik Roya, Aminou, bonsoir mon frère, j'espère que ça va. Alors, Zora, DZ, bik. Alors, juste une seconde, je vais faire juste un truc. فوالا اسمحوا لي اني عاودت وليت دونك زوغا دي زاد مرحبا بك لايديا بون سوار مرحبا بك ان شاء الله راكي بخير بيان فينو الوغ لو برانس دو لا فيكتوار صالحه دي زاد ايدي مرحبا بك لو كلونديستان لو كلونديستان وعندنا قيوم مرحبا بك خويا عندك محمد علي ومرحبا بك ان شاء الله راك بخير فتحي مرحبا لو برانس دو لا فيكتوار الاخضر مرحبا بك خويا زيد euh, بالعيد تيان مرحبا بك خويا جيسبر كو سافا عيدكم مبروك ان شاء الله وفي دي جي مرحبا بك ياسين سي كونستانتين ان شاء الله راك بخير خويا جيسبر كو سافا صافي لونتون زيد مدى مدى. مدي مرحبا بك محفوظ موا وعليكم السلام ورحمه الله توا محمد تزايت مرحبا بك بدر الدين خويا ان شاء الله راك بخير ياسين غانيا ناصرة ويوسف مرحبا بك خويا و ورتي ورتي احمد مرحبا بك دي زاد ماستر لو كلونديستان كمال الخضاري تاكو تاك مرحبا بك خويا غانيا مرحبا بك فوالا جينيراتي بيرسون نورمالمون 84 فيزيوناج نستناو شويه يلتحقوا بينا الجماعه on va attendre كيما m'a لا la cavalerie nos salutations Euh, les plus sincères, le Khuna Artisan Malik, il fait euh, un excellent boulot, des lives, il fait euh, un effort considérable, il fait des lives tous les jours pratiquement. C'est toujours aussi intéressant concernant les sujets qu'il traite et tout, ça concerne l'Algérie, la sécurité nationale, les frontières, les ennemis, les machins, la géostratégie et tout. C'est excellent. Donc je le salue, mad l'Osmo. Et justement... Euh, et justement, je voulais attendre la fin. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas de... On est tous à l'aise chez lui. Ensuite, on vient chez moi. voilà ah, D'ailleurs, il est l'artisan Artisan qui vient de passer, je pense c'est lui. Voilà. Donc, Artisan Malik, je te salue, je te salue mon frère. Et euh, je te dis, franchement, je te dis euh, bravo. de J'espère qu'il y aura beaucoup comme toi. Hein. Voilà. Donc, il euh, y a qui d'autre que j'ai raté Il y a Starsat, Marahbabé Kroya. Ou Kayin je l'ai salué. Anis, Marahbabé Zid. J'ai raté quelqu'un. J'ai raté Mbarak, Mbarak, entaya. Marahbabé Kroya. Force à toi aussi, Kroya. Malik, je te remercie infiniment. Rendez-vous à Janet un jour, enfin. Inch'Allah, très vite. Euh, j'aimerais bien, Oulara, j'aimerais bien. Tu t'imagines même pas. Donc, bref. مارشال ماريشال مرحبا بك خويا ان شاء الله راك بخير الوغ اكس لي اكسل سيور شو دونك وعليكم السلام ورحمه الله الناس لاك مرحبا بك بيانفينو دونك عندنا الجيلي 54 مرحبا بك خويا ميرسي خويا مالك ان شاء الله خويا دونك بروس بونجور خويا مرحبا بك ان شاء الله راك بخير Saléha, je lui ai dit bonjour. Donc, 114 visionnages. Donc, on attend encore un petit moment. juste Puisqu'on est parti pour une petite soirée. Bon, je ne vais pas tarder de toute façon. Hakdaya, comme d'habitude. Mais sinon, j'aimerais bien que les habitués, je leur laisse un petit peu de temps de venir. ils viennent bouger. je ne sais pas. fatuche bienvenue bienvenue on va on termine 7 minutes pour on termine 7 minutes pour faire 7 minutes donc voilà et pour et puis on commence directement c'est un sujet très important à mon sens à mon sens c'est très important pour moi c'est le sujet c'est un sujet explosif pour moi euh, honnêtement, euh, honnêtement, je vous le dis tout de suite, parce je comme euh, dès le départ, un sujet qui m'a aidé, il va certainement, mais, normalement, je dois, je dois faire, je ne sais pas, mais, euh, deux jours de recherche ou là, pour essayer de collecter toutes les informations, les sites. comme maintenant, ce n'est pas évident. Pour avoir l'information. Donc, l'information, en tout cas, il faut vraiment choisir les sites. Il faut comparer. Il faut voir les autres sites. Est-ce que c'est la vérité ou pas Est-ce que c'est une fausse information Tu vois Je pense que c'est très important de d'avoir la bonne information. Et qui m'a de faux visiblement sur les réseaux sociaux, maintenant, sur Internet en général, là, sur la toile, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, il faut chercher, il faut maintenant être bah, comparé. Est-ce qu'il y a d'autres sites attention à la Attention, le travail de... Enfin, le travail, j'allais dire le travail... Si, un travail de recherche, c'est très compliqué. D'accord? Parce qu'un terrain... Tu as un média, tu as une chaîne sur YouTube, les fera des abonnés quand même. Tu vois, on ne parle pas de 200 ou 300 abonnés, c'est des milliers maintenant. Ça va, La vidéo elle continue de marcher après, il y aura d'autres visionnages, tu vois, c'est du sérieux. Donc, je t'ai dit, je n'importe quoi, tu vois, tu ne veux pas venir balancer et tout. Bien que. On a le droit à l'erreur, on n'est on pas des spécialistes. on contribue, on est des patriotes, on travaille, on fait, on fait le, le nécessaire pour notre pays. D'accord Mais on raconte n'importe quoi, on ne peut pas, par honnêteté intellectuelle et par. Et par euh, voilà, c'est nous, c'est l'Algérien, la, euh, patriote, il ne peut pas venir. Euh,

donc euh, il faut eh ben oui il faut le dire ben chaque c'est pas du coup on fait le on fait le maximum on fait le maximum donc le sujet al khawa on revient le dossier les Émirats Arabes Unis les Maroc arabia ou la l'alliance les Dar el pour, donc là, on ne tourne pas autour du pot. C'est-à-dire là, c'est une opération de déstabilisation Sahel, euh, cerner l'Algérie, euh, la, on va dire l'étrangler, essayer de lui, euh, de lui enlever quelque part le pouvoir en Afrique ou les pays du Sahel. Il y a deux jours j'ai lu un de tes articles sur, sur le site. Franchement, tu es, es une plume rare pour un patriote algérien. Euh, J'aurais aimé avoir ton, ton, ton talent, ton style, ton, ton vocabulaire, ton... Ton travail, c'est-à-dire, je sais pas, je pense que tu n'es pas journaliste, Nintéria, mais tu es fait pour ça, pour l'écriture et pour placer, pour trouver les mots qu'il faut, surtout pour une cause juste, pour défendre l'Algérie, pour la, pour l'Ahor. Donc, Anna, Adjibnil Hal, je ne rate aucun de tes écrits, de tes articles sur le site. Donc, Yahweh, je tiens à te dire absolument bravo, félicitations. Khoya bon maintenant, moi je vous ai dit que la question m'a la nous allons dire les emballages et les magasins ils sont là pour eux d'ailleurs et puis euh, le travail de déstabilisation qu'on essaye de faire sur le qu'on essaye de faire sur le sur donc maintenant c'est connu tout le monde le sait on a des preuves on a des articles maintenant on a même c'est à dire عندنا مام لا كيفاش يقولوا لا ديكلاراسيون دو بريزيدون لا ريبوبليك عاد ما جيت الو الوغ كاين لا دي زيديو كيما هذاك عبدو سمار كيما توس فو اكسيسيرا ميرسي خويا ميلود ميرسي خويا بارك الله فيك دونك واللي ما سلمتش عليهم يسمحوا لي دونك مرحبا بكم كامل دونك راني نشوف دوكا هنا احمد احمد بالاعوان مرحبا بك خويا داكور و الجزائريا فيزيون دونك يا بوكو دو Beaucoup d'amis d'Iram Jaou. Donc, je ne sais pas si j'en ai raté beaucoup, mais bon, j'essaie je, d'être. Donc, live show, news, tout. Marababi, Fafou, Marababi. Bonjour, bonjour. SM, Walikum salam, Voilà. Ça va Donc, je viens de commencer. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est Salut, Bienvenue et euh, bien sûr merci à tous pour les commentaires et pour les pour la participation Téacom et tout ça je, je lis hein, je lis les commentaires et tout ça fait chaud au cœur et même surtout on a ce qui ce qui me tient à cœur c'est la participation Téacom dans le sens euh, c'est-à-dire c'est c'est productif c'est-à-dire vous apportez du tu vois, vous apportez de l'information vous faites des corrections vous faites vous faites la des fois, fois j'oublie un truc des fois c'est formidable magnifique j'ai Alhamdoulillah les, les, les abonnés les, les personnes qui, qui viennent à mes lives et tout après donc est... franchement un la crème des crèmes ai vous <coughs> voilà donc je tiens à le dire alors euh, donc on sujet si vous, vous permettez je vais pas qu'on pas on pas on pas je vais pas rater les gens mais allez j'ai donc on sait tout ça le travail de sap les dirou les emirates Nous rentre directement sur le sujet les khawas makallah on dirou est khbar comme ils le disent directement pas d'introduction il y a quelque temps euh, la secrétaire générale du parti des travailleurs elle s'appelle Louisa Hanoun très connue c'est une femme politique c'est une dame enfin c'est une femme politique

eh bien, euh, Louise Hannoun elle a fait des déclarations euh, volcaniques la dernière fois. Elle a beaucoup de choses. Surtout, elle a rencontré le président de la République, Abdelmajid Boune. Elle pendant je sais pas combien de temps, en tout cas un temps considérable. Elle a a a Donc, elle a le président de la République

je ne peux pas ne pas le faire, c'est impossible. On arrive d'après des sites d'informations plus ou moins, c'est-à-dire sérieux, on parle de 37 000 morts. Bon, les sources médias, c'est-à-dire ordinaires, on va dire ce qu'on voit tous les jours et tout, on parle de 33 000. Bon, on n'est pas loin. En plus, c'est pas pas rien. Enfin, la taux Elf, Dahia, agayez et tout ça enfin, c'est une catastrophe c'est un carnage c'est une extermination mais, non, mais 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 des sources mais parlent euh, sur 37 000. Des sources des sites ils parlent sur 37 000 morts et des poussières attention je reviendrai inchallah avec une vidéo pour que je parle عليها inchallah on est sur le sujet orthographe elle s'appelle Louise Hannoun a parlé avec le président et t'a parlé de la question là qu'elle a dit à la Palestine On m'a la sécurité nationale, les opérations de déstabilisation, c'est Parce qu'attention, elle c'est une dame politique très ancienne, elle connaît pas mal de choses. Elle est une femme cultivée. Pour ou contre, je n'ai pas d'avis sur la dame, sur le parti d'Ielha ou quoi que ce soit, franchement, ce n'est pas le sujet. Mais elle est en tant que une femme politique, euh, les 30 le elle a carrément abordé le sujet, elle le président de la République. Déjà, je trouve, il fallait que quelqu'un le fasse, et elle est audacieuse, elle est courageuse. Même si, je ne sais pas, je n'ai pas, la je fais un autre sujet, mais en tout cas... Elle a de l'expérience, elle a assez d'informations pour te donner une idée sur la situation. D'accord mais Elle ne joue pas, mais je l'ai à Elle a parlé de la sécurité nationale, elle a parlé de Sahel, elle a parlé du Nord du Mali qui est très chaud, qui est un chaud. Et elle a parlé des Émirats Arabes Unis. C'est ce que elle a parlé des Émirats Arabes Unis. Où qu'est-ce qu'elle a Elle de façon très euh, crue, très euh, dure, très directe. Elle a directement « C'est nos ennemis. » Plusieurs articles, plusieurs sites et ont de D'accord Elle a C'est nos ennemis. » Et puis, euh, c'est eux qui font euh, hadl, les, 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 les problèmes de les, les, les opérations de, de déstabilisation c'est Sahel. d'ailleurs je vais euh, ouvrir avec vous un, un article mais allez on s'appuie sur quelque chose il y a des gens badabak des fois ils meurent non oui non donc l'article hagdad directement au classe au pouvez le lire chez vous bon il y en a plein un hein? tout de suite c'est le courrier d'algérie donc, euh, Louisa Hanoun, lâche crûment les Émirats arabes unis sont nos ennemis. D'accord Bref, l'article, il tu etc. Bon, troll, il y les un troll, il Bon, a Bon, il y a quelques temps, quelques temps. il a quelques a pourquoi il pourquoi amelna, pourquoi Pourquoi à tenir d'ailleurs même les articles, Hadouma, mais qu'on ne change pas le droit ou le manque de droit. Ils apportent l'information, mais personne n'est venu dire que finalement Louise Hennoun, la secrétaire générale du parti Hadâ, elle a raison. Où je suis allé à l'Émirat, d'accord. Au contraire, il y a pas mal de personnes qui ont dit non, où j'ai trouvé, pourquoi elle dit ça, d'ailleurs qu'est-ce qu'elle a fait les sables, etc. Alors les harcèlements, les traitements, les employés dans le magasin. Sans, sans commentaire, c'est-à-dire ils se sont euh, défoulés à pourquoi? Parce que c'est l'allié, euh, l'allié pro sioniste l'allié de l'entité sioniste, mal euh, mal ma Donc donc ils sont d'accord. Donc on a tout ce qui touche à leur business, à leurs moyens, à leurs alliés, à leurs allié, leur amis, ils viennent se défouler sur toi. C'est mal. Zagat Tu ما لا حتى نهار لي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك هضر عليها ديريكتومون في اللقاء الصحفي داكور وتكلم عليها وقال بلي فوالا بطريقه غير مباشره سادير دو فاسون انديريكت وتكلم وهضر فوالا ها واش كاين واش ما كاينش اوكي الوغ دون سكا طول tout le monde maintenant doit dire que Louisa Hanoun avait raison attention l'article en question l'article en question c'est ma c'est ma très important paul les émirats arabes euh, arabes sont nos ennemis sur la question au mali notamment après la suspension de l'accord d'alger décidé par les autorités maliennes. bon à des rebelles combien mais j'ai dit voilà cool on n'a pas besoin de leur investissement. Sur le plan diabolique, imarati Louisa Hannon dira que le complot imarati est désormais connu de tous et les investissements de ce pays en Algérie ne sont en réalité qu'une astuce malsaine pour faire entrer dans notre pays des espions sionistes de nationalité imarati et détenteurs de passeports de ce pays. Nous n'avons pas besoin d'investissements émiratis dans notre pays. Ils doivent partir de chez nous, car dit-elle, ce pays est notre ennemi. Ce sont premiers, ce sont euh, là, là, ennemis, et son premier objectif est de s'introduire dans nos institutions pour déstabiliser le pays et analyser l'intervenante, mais pas à lire, à analyser l'intervenante sur sa rencontre avec une délégation du mouvement palestinien Hamas parce que c'est sur un autre téléphone elle a rappelé que ce mouvement Hamas fait partie de la résistance palestinienne etc bon c'est pas le sujet mais ce que je veux dire maintenant c'est que lui a demandé au président de la République clairement clairement je ne connais pas très bien son parcours je n'ai pas fait énormément de recherches sur 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 la question Louisa Hannon mais ce qu'elle vient de dire, les déclarations de ce qu'elle raconte, moi je suis pour. C'est-à-dire, je vous le dis direct. je suis pour. Déjà, je suis pour son front parler et sa façon de dire les choses directement. Direct. Elle a parlé des, de la question, de, 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 de c'est-à-dire, elle a parlé de, carrément de l'expulsion des investisseurs émiratis en Algérie, ainsi que les diplomates. à parce qu'on connaît tous maintenant la vérité. On a l'impression les Émirats un travail de sap toute une opération de déstabilisation, ils sont pro-sionistes à 100%. D'ailleurs, on les appelle maintenant les Arabes sionistes

Alors, je suis un simple citoyen algérien, je travaille, c'est-à-dire, j'aime beaucoup mon pays, je, je, ne, laisse, je ne laisse pas l'affaire, c'est-à-dire, et puis euh, je ne lâche pas l'affaire, et, euh, et puis je cherche, d'accord Donc, qu'est-ce qui s'est passé Suivant les, les déclarations de Hanoun, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur deux choses se ménilent sur deux choses. Comme ça, plus tard, les gens qui vont faire des recherches ou les haussuifsarmos qui vont, ils font de la même chose. Elle a fait deux déclarations. on n'a pas besoin de leur investissement. j'ai fait des recherches. Où Khaled Khaled aide les diplomates ou les investisseurs. soi soit disant, les juifs qui servent le البلد, où ils diront des dollars ou ils diront les emp ils diront l'emploi etc. Pour l'économie du pays, Zama j'ai fait des recherches aussi. Eh bien, je suis choqué. Mais Là, je crois que le compte, c'est un sujet explosif. Parce que je suis choqué. Alors, pour les investissements, on en parlera plus tard. Parce que c'est. secondaire, hein, c'est important. D'ailleurs, l'État algérien, d'où elle est en train de suspendre les marchés dal Pourquoi Parce que les investissements c'est du bidon. Les opérations de c'est du bidon. J'ai deux, trois dossiers comme les investissements, c'est des trucs fantômes, ça n'existe pas. Malheureusement, il y a des investissements, les l'époque Donc, l'époque où l'argent planait dans les airs, où il y avait beaucoup de choses sous la table, il la que les gens Donc, laissez Et même en ce moment, même la société en ce moment, elle est en train de suspendre, par exemple, un dossier, euh, enfin... Mais restons sur le plus le plus, c'est-à-dire le plus choquant pour moi, c'est l'espionnage. Eh bien, j'ai découvert que les Émirats c'est un pays qui, à la base, euh, c'est son terrain ou l'espionnage. Je suis choqué. C'est incroyable. C'est incroyable, Yal khawa c'est pas une affaire, ou la deux affaires, ou la trois affaires. La vie est un espionnage. Il ne fait que ça. C'est Maliha. Ecoute, Maliha. Tu vois, Maliha. Tu vois, Maliha. Je t'accorde. Alors, c'est un article. C'est un article... C'est des exemples pour vous prouver les bled à l'espionnage ou, le ou le ou les ruses ou la lâcheté voilà au service de leur maître soit occidental ou l'entité sioniste. la première des choses puisque Louis a parlé elle a évoqué le dossier de, 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 de la Palestine le carnage le génocide de la eh bien, les Emiratis Hadoma, ils ont été arrêtés, ils ont été débusqués, Kimé pour trahison pour une trahison, c'est une question d'espionnage. Scandale d'espion Emiratis pour le compte du Mossad, débusqué à Gaza, une trahison qui en cache d'autres. Had l'article à la balcon, c'est 2024, 2024, janvier, Hadair, C'est-à-dire c'est récent, Mendez-Bezer. Parmi les pays impliqués dans les accords d'Abraham et Émirats arabes unis, etc., bon, Tel Aviv, Gda, bon, elle n'est pas comme Béha. Alors, c'est comme directement le, le truc. Euh, mouvement du Hamas nous apprend ainsi que Dahlan et plusieurs dirigeants du Fatah proches de lui avaient supplié les dirigeants du mouvement de contenir ce scandale. Alors, voilà, il trouve du monde. Voilà. C'est les aléas du direct. Matral euh, Balk Tel Aviv contre la Palestine, dont les populations civiles se font massacrer par des dizaines de milliers depuis le début du mois d'octobre, etc. on témoigne un, un humiliant scandale d'Abu Dhabi. Euh, euh, ses vertus a étouffé par tous les moyens. Il ne s'agit rien moins que d'une tentative d'espionnage émirati pour le compte du Mossad mené à Gaza contre le Hamas. Les espions émiratis sont des agents déguisés en travailleurs humanitaires du Croissant rouge émirati, chargés d'infiltrer le mouvement de résistance Hamas afin de tenter de localiser les lieux où sont détenus les prisonniers faits à la suite de son opération Déluge Al-Aqsa. L'infiltration vite éventée par le contre-espionnage du Hamas avait été tentée durant la courte trêve intervenue à la fin du mois d'octobre passé. Les longues enquêtes auxquelles la délégation Emirati a été soumise ont révélé de manière concluante qu'un certain nombre de ses membres travaillent comme officiers supérieurs de l'appareil de sécurité d'Abu Dhabi pour le compte du Mossad, les services secrets israéliens. Ces derniers ont été officiellement chargés par le, le criminel Netanyahou d'assassiner les dirigeants du Hamas où qu'ils se trouvent dans le monde. Voilà, donc un premier acte terroriste a d'ailleurs été commis à Beyrouth, etc. Donc, c'est la première des choses. Donc on a affaire à les émirats Donc l'espionnage après espionnage après espionnage. l'espionnage. OK. Donc à concernant Gaza. À le premier dossier. Ça, c'est le premier dossier. Fait Et puis concernant les zones d'affaires. Effectivement, qui a que Louisa a les hommes d'affaires, elle avait raison. Les hommes d'affaires, les diplomates, surtout les hommes d'affaires, les hommes de Ramzaf, etc., qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup d'argent et tout, ils ont fait l'espionnage. Quand il y a des hommes d'affaires, il y a un journaliste, un journaliste un Joe Odell, d'accord qui a dit que c'était un ancien article, c'était 2018 les rôles plongés au cœur du réseau obscur de l'État espion émirati. OK Les rouages de l'État espion émirati se sont retrouvés sous le feu des projecteurs le 10 février dernier lorsque Dark Matter. Hadi Dark Matter est justement, une société de cybersécurité basée à Abu Dhabi. D'accord Hadid un homme d'affaires. Kif-kif. Un homme d'affaires, euh, euh, d'accord. Euh, alors attendez, son PDG fondateur Faisal El Benay a accordé une rare interview à la, à la, euh, au siège de la société d'Abu Dhabi au cours de laquelle il a dégagé sa société de toute responsabilité directe pour les violations des droits de l'homme commises aux Émirats Arabes Unis. Malik. Créé aux Émirats Arabes Unis en 2015, Dark Matter, a toujours soutenu qu'elle jouait un rôle de société commerciale, bien que le gouvernement émirati ait constitué 80% de la clientèle de Dark Matter et que la société soit décrite auparavant comme un partenaire stratégique du gouvernement émirati. Je crois qu'il est une société de surveillance, etc., pour la défense, tu vois, défense du pays, et ainsi de suite. Euh, z à la recherche du hackers qualifié. Bien que Dark Matters définisse ses activités comme étant défensives, un expert italien en sécurité qui a eu un entretien avec la société en 2016 a comparé ses opérations aux agissements euh, d'un Big Brother sous stéroïdes, a laissé entendre que celle-ci était profondément ancrée dans le système de renseignement Ousmane renseignement Ousmo, l'Italien, le hacker » Ousmo Simon, Marguerite Telli, qui est également un ancien hacker, a affirmé avoir informé pendant cet entretien de l'intention des Émirats arabes unis de développer un système de surveillance capable d'intercepter, de modifier et de détourner, mais aussi occasionnellement de dissimuler le trafic sur les réseaux IP de G3G et 4 Bien qu'il soit vu proposer un salaire mensuel non impossible de 15 000 dollars, il a rejeté l'offre pour des raisons d'éthique. Z, Z, des sites, des trucs, des informations à Google concernant l'espionnage les services des Ils sont faits pour ça, c'est leur travail, Donc, Louis Zahannou, encore une fois, avait raison. وكي قالت يفو غونفوايي جوستومون لي زانفستيسور و لي زون دافير على في غيزون عندها الحق خويا العزيز عندها الحق دقيقة برك اصبر معايا برك هادي خلاص اني جايك ماتنو شوف هذا واحد اخر لو ديرني لو ديرني C'est-à-dire, une dernière preuve pour montrer que le bled m'a a fait confiance ou le fédéralisme a fait l'espionnage. C'est naturel, la publicité a déjà Comment l'enlever Fermez la pub. Voilà. Même en Libye, même en Libye, le en Libye, qui un émirati. Alors, dans tous les pays, que ce soit en Libye, en Turquie, pas mal de pays, toujours des hommes d'affaires ou des, des, des émiratis qui, qui prétendent être des hommes d'affaires et finalement c'est des espions. Ici, le un exemple. arrêté à Tripoli, soupçonné d'espionnage. Je l'article a Tripoli, un ressortissant émiratis soupçonné d'espionnage pour les autorités libyennes qui contrôlent la capitale a été arrêté, indiqué mercredi, etc. L'émiratis a été arrêté, interrogé, affirme, etc. Selon le responsable humain, dont il ne révèle pas l'identité fait partie de la police de Dubaï et c'est sa troisième visite en Libye depuis 2012. Il prétend être un homme d'affaires et ne plus avoir de lien avec la police de Dubaï, mais... Les agents de renseignement ont trouvé dans son portable des photos d'endroits sensibles à Tripoli dans une vidéo de l'ambassade euh, turque. D'accord Même en Turquie, -Tur -Tur j'ai une autre information concernant la Turquie. Je l'ai quelque part. En Turquie, euh, hé, en Turquie, kif, Wahed, en Turquie kif, il, il, a, il a été emprisonné. C'est un espion émirati Hakumu, en Turquie avec des informations, des photos, etc. On va être il s'est suicidé en prison, en Turquie. Voilà. D'accord. Zed, en 2019, en 2019, les Émirats Israël ont signé un accord pour un projet, un énorme projet, un avion. C'est un avion espion. Bien sûr, une partie, la plus grande, la plus grosse partie des fonds, qui a les Émirats, a dit, je ne sais pas combien de milliards de dollars, il de l'avion, Hadaya, y qui pouvait chercher l'information, qui a des capacités incroyables, il est très sophistiqué. Euh, J'ai oublié de, de noter l'article, je l'avais quelque part. D'accord Je l'avais quelque part, mais je ne sais pas. Je vais quelque part, mais je vois rien. C'est pas grave. En tout cas, je m'en parle. En tout cas, euh, des projets, des projets, euh, l'entité sioniste, euh, et surtout concernant l'avion espion, d'ailleurs, systématiquement, euh, il va espionner toute la région, tous les pays, et notamment les pays camels, c'est-à-dire les pays Tassahel, Camel l'Algérie partout donc c'est toujours une menace c'est toujours une question d'espionnage maintenant là la... la dernière information Kamel qui est il y a la collaboration avec le magazine c'est le plus important ok les immigrants ils ont fourni au magazine à, à table un logiciel, un logiciel autre pour espionner l'Algérie. D'après beaucoup d'informations, d'après beaucoup d'articles. Là où on c'est le soir, qu'est une Algérie 54, qu'il y a beaucoup de, de, de sources. C'est un euh, logiciel très puissant qui, qui s'appelle Stratin. Stratin, euh, bien sûr, est fabriqué par la main, par c'est-à-dire. Il y a une société à la base, les Émirats. Les Amas se couvrent de surveillance et de sécurité, etc. Hada, il est beaucoup plus puissant que Pegasus, où Il a des capacités incroyables. Vous allez voir, Hada, c'est un article de 2023 déjà. Le Maroc vient d'installer un équipement d'espionnage ultra sophistiqué à ses frontières. Stratine, l'objectif de l'opération est d'épier l'Algérie. Les détails de ce nouveau jeu dangereux auquel se livre Rabat ne sont pas aussi secrets que le souhaiterait Mohamed VI. L'achat de ce matériel s'est effectué auprès des Émirats Arabes Unis. Le nom de cet équipement est donc Stratine, le plus célèbre produit d'espionnage d'une boîte indienne classée parmi les leaders des renseignements techniques à l'échelle mondiale. Depuis quelques années, cette boîte s'est également mise à la fabrication des drones militaires. Stratine est définie par les experts comme étant un matériel d'interception. Des communications par téléphone cellulaire, voix, messages, cours et communication des données. Stratine agit sur la 2G, 3G, 4G et 5G, mais permet aussi l'interception des communications par téléphone satellite. L'acquisition de Stratine par les Marocains est récente. Elle est la preuve qu'en dépit du scandale Pegasus, le Maroc continue de développer ses capacités d'espionnage et de renseignement technique pour espionner ses voisins et prioritairement l'Algérie. Le fait que cet équipement ait été placé aux frontières ne laisse aucun doute sur les intentions du Maroc. L'opération se produit à un moment où la tension va grandissante dans la région, en général et avec l'Algérie en particulier, la multiplication des bombardements aux drones entre les frontières saharaoui. Et, mauritanienne et le langage guerrier auquel, euh, auquel ont de plus en plus recours d'anciens officiels marocains, toujours dans les bonnes grâces du Palais Royal, sont autant d'éléments parmi dont, tant d'autres qui laissent bien deviner ce besoin qu'ont les Marocains d'aller plus loin dans les hostilités envers l'Algérie. L'installation d'un matériel d'espionnage à nos frontières est loin d'être une simple provocation. C'est tout au contraire une attitude ennemie et l'expression claire d'une volonté de faire monter la tension davantage. Humilié par l'Union européenne, où ses représentants ne pourront carrément plus avoir accès prochainement après le scandale de, du Maroc-Diaït, du Maroc, dévoilé et condamné pour son recours à logiciels d'écoute Pegasus, isolé à l'échelle régionale en raison de ses VIIT expansionnistes, le Maroc s'engouffre de nouveau. Dans des opérations suicidaires, voilà, suicidaires, point. Donc, c'est euh, gravissime ce qui se passe. Donc, Raïs majid Bon mais il faut bien, faut bien donner l'information la, la, qui m'a qui m'a Je partage avec vous, peut-être que vous l'avez déjà lu, allez, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'il faut faire le lien. Il faut faire le lien, faire le lien maintenant donc, avec tout ce qu'on a.

c'est du pipo sur le C'est du pipo. C'est vrai qu'il y a un projet d'investissement, etc. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un balcon, un balcon. Parce que ça, ça me dérange beaucoup. C'est un article de l'Ordre. D'accord Récent. Récent. Le 18-2-2024. C'est investissement émirati en Algérie. Ousmane Hadaya, un projet Ousmane Emara Steel, un projet fantôme de 1,16 milliard d'euros. Annoncé en grande pompe après sa validation du temps de la SABA, cette joint venture allait entre, entre autres créer l'emploi, fabriquer des rails du rail et éliminer même l'importation des pipelines qui servaient l'industrie pétrolière et l'hydraulique janvier 2024. Rien n'a été fait. D'accord Lors de sa dernière visite à Sider al-Hajjab, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique a assisté à une présentation du plan de développement de Sider al-Hajjab, le projet Emara Zair Style, un partenariat algéro-émirati qui traîne depuis 2000, le 28 mars 2018, date de sa validation par le Conseil des participations de l'État. Ok a été cité comme facteur de blocage pour le développement du complexe. Alors, bon, il y a plein de détails, hein, il y a plein de détails. Euh, le projet devrait réaliser EDS, n'ont pas vu le jour six années après. Le projet cité dans la présentation sont tributaires de la euh, résiliation du contrat du partenariat, Emirat-Zer-Stil, euh, euh, qui était censé développer la même gamme de produits, et ainsi de suite. Bon, on va directement le mot. Financé à hauteur de 30% sur le fonds propre et 70% du crédit bancaire en Algérie, bien sûr, un taux de 3,5% d'intérêt. Ce nouveau complexe, dénommé Imanazer Steel, est installé au sein même du complexe Sider al hadja de Annaba, d'un montant de 812 millions d'euros. C'est énorme. Le dossier du crédit a été déposé pour étude au niveau des banques algériennes. Au final, l'Algérie participe avec un total près d'un milliard d'euros et euh, l'IMARA, euh, la société, avec 170 millions. Pourquoi alors nous ne faisons pas appel aux entreprises chinoises, notamment les fournisseurs de son attracte, pour en faire un partenariat, etc. Des chiffres impressionnants. Bref, mais en tout cas, euh, rien n'a été fait. Euh, le dossier, le, le, le SMO, euh, voilà, c'est-à-dire McAnwall euh, Classe le dossier de l'Ousmo Adaya, le projet McAnwall. Encore une fois, rien n'a été fait, hormis le recrutement en 2021 d'un bureau d'affaires, euh, l'acquisition d'un laminoir pour la production du profil et moyen de l'eau gamme, de 80-320 mm capacité, etc. Euh, voilà. Donc, encore une fois, rien n'a été fait, hormis le recrutement en 2021 d'un bureau d'affaires étrangers pour accompagner le début de la création. Euh, Z, plusieurs demandes de résiliation de ce contrat, de partenariat avec les immérités ont été transmises au pouvoir public et à euh, l'effet de libérer le plan de développement du complexe SIDER, La réponse se fait toujours attendre. Donc, Hada, c'est bon. c'est récent, Andu, Andu, euh, c'est en février. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'espère qu'il a été résilié ou j'espère que là, tout est fait. Mais il y a 2, 3, 4 dossiers qui m'ont je ne pourrais pas vous donner. Mais en tout cas, deux, trois dossiers qui m'ont aidé. a même, la société du tabac Hadik qui a été carrément suspendue. Je pense à la belle Donc, elle est là. Le dossier hadak Émirat uh, Alger prend une première décision forte. Voilà, la crise diplomatique entre l'Algérie et les Émirats arabes unis prend une nouvelle dimension, alors que les divergences sur le dossier Mali, -Ingda, etc. Uh, le ministère de la Justice a enjoint au notaire de suspendre la conclusion de contrats avec une to euh, tobacco company et la société algéro émirati du tabac. Donc, dit, par exemple, a été suspendu. OK? Pour des raisons, etc. Donc, les affaires, des investissements, Teram Macanwalou, c'est pas, c'est pas sérieux. Il y a eu énormément d'investissements, mais euh, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont marché, mal à Je n'ai pas toutes les informations, mais en tout cas plusieurs, en tout cas les grands, les firmes zafdrames, d'accord, qui m'ont bloqué, qui c'est des, des, chiffres impressionnants, ok Eh bien, euh, ça ne marche pas. Donc un jeune, je ne une femme. Le femme, elle a raison. Les investisseurs, les investisseurs, ils s'implantent sous couverture de, d'hommes d'affaires, de, et de, de, etc. Ça peut être des espions. Ça peut être des, des personnes, qui viennent prendre euh, des, des, des trucs, des informations. À la Quand on est un homme d'affaires, on vient euh, créer une société ou faire un projet en Algérie. Donc, on va certainement... Euh, fréquenter euh, des responsables et etc. Donc, elle a raison. louise, dit il faut expulser carrément des investisseurs. C'est-à-dire là, on c'est un luxe de commencer à faire une enquête et de chercher, je connais l'espion, je connais le machin espion. D'ailleurs, on a assez d'informations maintenant pour savoir, bien, les le service des Émirats. Ils sont mal intentionnés, déjà en offrant. Ils ont vendu le logiciel MRZN. D'accord Je pense qu'ils voilà, travaillent ensemble, c'est une alliance, ils travaillent en collaboration. C'est des euh, Arabes euh, mărzino-sionistes. Mar Donc, euh, ils travaillent pour l'intérêt le, pour, euh, de l'entité sioniste. L'Algérie qui n'a pas normalisé, l'Algérie l'obstacle l'algérie qui a un certain pouvoir' l'Afrique du nord l'Algérie est un pays avec une armée puissante avec une, une économie puissante avec des richesses avec ça, c'est le pays à détruire c'est le pays les tout simplement il faut le cerner il faut l'étrangler il, euh, il faut le, 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 le il faut l'affaiblir le plus possible d'ailleurs on commence on essaye, on essaie d'affaiblir l'Algérie en essayant de mettre contre nous les pays radama, tels à commencer par le Mali, ben ça Niger, à des là, mais le Burkina Faso, à d'accord. Heureusement qu'il y a d'autres mais ils sont fidèles à l'Algérie comme la Mauritanie, comme d'ailleurs, je je n'ai pas parler de la Mauritanie, les داروا واحد لي زينيشاتيف هكذايا بينو بلي سون فيد على الجزائر بلي البلاد اي سون كونتر جوستمون الفتنه و كونتر لي بروبلام دونك هادي نهضروا عليها لا بروشين فوا مي سمحوا انا ما انا انا راني مع الكلام لي قالته لبيزا حنون كليرمون يو فرونشمون لي زانفستيسمون تاعهم ما شفناهمش ما كانش حاجه يعني لي جوسكا بروف دو كونترير M'achètent là, les, il y vraiment des projets d'investissement, vraiment qui m'ont dit le, alléchant, non, on a des intérêts quel intérêt? maintenant même le président de la République a dans un discours, dans un entretien à les journalistes, clairement devant le monde entier, sans la voilà, voilà c'est terminé, il faut que il faut qu'il y ait le pays euh, tout simplement il faut qu'il le pays qui fait ce Il Il est sensé ou il compte sage, il arrête les conneries. Donc, j'avais compris le, le discours le président de la République mais euh, comment je comprends avec comme ma façon de voir les choses. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent carrément mais on ne répond pas à la.

Mais je pense que à peu près c'est le même dossier qu'ils mettent à France. France par exemple, à chaque fois, il y a des problèmes. Où le président Abdelmadjid concernant la France euh, Si c'est bon, euh, c'est bon. Si c'est pas bon, ben on, coupe, on coupe court. Ou classe, va dire. Ou non, à la France, on n'a pas, on a pas forcément de problème. On a un problème avec des lobbies, avec des communautés, avec des politiques, avec certains responsables, avec des, avec des, des ONG, avec, tu vois, il y a des lobbies, il y a un problème, c'est eux le problème. Le, 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 le Front National, les le lobbies, le CRIF, le, 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 les harquis, les tout ce que vous voulez, les, les traîtres, les, voilà, il y en a plein. Il y a un domeux l'Algérie, mais la France, en tant que peuple, autant que... Voilà, on n'a pas de problème. Juste, il faut clarifier certains dossiers, certains détails et tout. Et puis ce qui s'est passé pendant la guerre, euh, il est là, à Damacan, à voir, à discuter. Maintenant, je pense que c'est la même chose avec les Émirats. Je pense que les Émirats, il y a des lobbies, il y a des hommes d'affaires, il y a des communautés pro-sionistes. كاريمون يعني صهاينه باتم من الكلمه اللي داخلين في النظام تاعهم واللي طبعوا مع اسرائيل الى اخره وكاين ربما جهات في في الامارات اللي خاطيها ربما وكاين بالك من منهم هاد الناس اللي راهم ضد هاد السياسه تاع بلادهم وراهم ينفستيو في الجيري دونك راويسي يسيي يدير ان سيغتان Alors il met dit, bon qu'il il y a des limites. Ça, Pour l'instant, il essaye, parce que pour l'instant on est a assez assez de moyens, de compétences, de assez de, 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 de puissance pour gérer un peu la situation. D'accord? C'est à dire que ce n'est pas un petit pays qui va euh, essayer de nous déstabiliser. هنايا لا فرونس كولونيال في وقت وين كانت الجزائر ضعيفه ما قدرتش كيفاش مثلا ان بي عرب كيما هادوما دي بيدوان يجيو لينا يتقعدوا بينا هذه ما كاش منها مي اي نو ديرونج ام يخلقوا لنا بروبليم اون بو اون بو كليرمون اون بو كليرمون كوبي لي ريلاسيون معاهم ديبلوماتيك ايكونوميك نحاوزو كامل لي انفستيس تو سا سي تري فاسيل Mais j'ai compris, le majid el il essaye, il met un avertissement à une certaine frange, ou à, à une certaine lobby, ou à certaine, des, 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 des sionistes, carrément, tout en prenant en considération les personnes bien, il y a sûrement des hommes d'affaires, des investisseurs, ils ne sont ni sionistes, ni rien du tout, ils ne font pas de la politique. D'accord. Donc, je pense il essaie d'équilibrer un peu les choses. Maintenant, il est au fur et à mesure. Rappelez-vous, on n'a pas coupé les relations diplomatiques avec le Marzin tout de suite. Il y a eu tout un tas de, 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 de choses, d'événements, de provocations, de problèmes. De Gda, etc. Ils ont commencé à soutenir les séparatistes en Algérie, à soutenir le MAC, à soutenir les terroristes de l'Algérie, à soutenir Gda. Là, ce qui m'a trop, c'est trop. Voilà, en bas, on a pris une décision. Ça va être pareil avec les Émirats. Ça va être pareil. Moi aussi, je suis d'accord. Euh, les Algériens, on est un peu, est un peu radicaux parce qu'on veut l'accord, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres éléments, les c'est possible. Les Émirats en Algérie sont très, euh, sont très surveillés, écoutés, obligés euh, les autorités le savent. C'est une union d'Émirats certains sont riches et d'autres endettés. Je pense que c'est les endettés qui sont faibles. C'est possible aussi, c'est possible. Franchement, je n'ai pas fait de, de recherche spécifique sur la nature des, des groupes, ou des communautés, des la catégorie des miratis et, et avec, leur, avec leur vision politique ou là, avec leur tendance ou, là, ou, ou, ou ils travaillent pour qui, ou c'est quoi leur objectif. J'ai pas encore... Pas encore tout, mais ce qui est clair, ce qui est clair, c'est que les services des Émirats d'Arlin Fadl Kadaïat à l'espionnage. Cable, j'ai lu beaucoup d'articles. Je pas d'ailleurs, je suis pas équipé, j'ai pas tout ce qu'il faut et tout pour vous montrer tout, mais en tout cas, un art, j'étais choqué. C'est un pays d'espionnage, il ne fait que ça pour bébé. Les investisseurs émiratis, l'argent circule dans les valises. Je précise des grandes valises. Effectivement, oui. Alors, je redescends. Euh, ceux qui n'ont pas liké sont des pingouins qui portent des cerceaux dans leur tête vide, des bertouches soumis. Merci pour vos likes. Merci, merci pour. Euh... Alors l'Algérie est un pays souverain, n'est pas soumis aux sionistes comme les Émirats, Arabes Unis et le Maroc et la Jordanie et l'Égypte. On l'appelle la diplomatie beaucoup trop difficile que les échecs. Le gouvernement voit au-delà au des océans. Le livre qu'ils ont en train de lire, c'est l'Algérie qu'elle a écrit. Inchallah, tu as raison. Inchallah, euh, tu as raison. Je ne sais pas. Inchallah. Là, on est inquiet, ou on est allergique aux espions et aux hawanas et tout ça. Donc, euh, parfois, euh, je me dis, les, la façon radicale, ça peut rendre service de temps en temps, tu vois, parce que d'autres pays le font. Pourquoi cette hypocrisie parler toujours de la France alors que si la France ouvre ses portes... Pour les Algériens. 90% vont quitter l'Algérie, surtout les Arabes musulmans. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ce que tu vois à la télé, c'est pas la réalité. Donc tu as une idée un peu, euh, un peu, un peu BFM, tu penses que comme les Algériens, alors que bon, il y a beaucoup de jeunes, ils ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur la et et bateaux, ils ont tout ce que tu veux, c'est vrai, c'est vrai

Enfin bref, euh, la Mauritanie subit beaucoup, c'est pas le sujet, hein, on ne rentre pas dans ce sujet, -là. subit beaucoup de pression des Émiratis, du Murzen, d'Israël et de la France. Pour l'instant, la Mauritanie les de la Algérie, euh, est fidèle à l'Algérie, c'est un bon partenaire. Euh, le problème, c'est que l'Algérie aide ces pays les aides les renforces, les encourage, et leur, euh, leur propose justement des, des alternatives pour qu'ils qu cessent de suivre justement comme des, comme des toutous les occidentaux et notamment la France et tout. Alors on essaye, on a nous on leur imaginer, imaginez, on Binat euh, africain, essayons, que ce soit l'Afrique du Nord ou là, essayons de travailler tous ensemble euh, en collaboration et notamment on les a encouragés avec, euh, avec le dossier les, les, les concernant la réunion, les délafs, le sommet, les, délafs, les exportateurs de, 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 de gaz, etc. Euh, on, a, on, a, on, on, on sait tous maintenant, les, beaucoup de pays africains maintenant, Inch'Allah, ils ont découvert des gisements importants et donc ils vont essayer de sortir de, de, de la crise, de, ils vont sortir de, de, de l'emprise, justement, à l'occidental Donc, on est là. D'accord Si je dois laisser ma famille en France pour rejoindre l'Algérie, je prends le premier avion, Inch'Allah. Ya Khoya, Marhaba, non, mais maintenant chacun a, a sa vie, je ne pas qui va jouer à tout. Personne ne doit, ne doit j'allais dire, justifier. Il ne faut pas rentrer dans ces détails. Pour moi, un patriote, il y a un homme qui est en Australie, en Pôle nous sommes très mal entourés. La grande prudence, méfiance s'impose. Nos alliances ex-Mauritanie à surveiller de près. Les nous sont dans la bergerie. Allez voir les données des ethnies qui émigrent. Le plus, vous verrez, c'est pas les DZ. Voilà. Et donc, tu as dans un autre sujet, c'est Ida. يزورون بعضهم يتفقون على خدمة أسيادهم وجدودهم بني صهيون كلا من حاكم الإمارات شيطان عرب المخلط 106 الهدف لهم سوى تحطيم وإشعال الفتن في الدول العربية خدمة إسرائيل بيان أنا جو بيرسيست جو سيني. أنا سيني لكم دوك وين حبيتو داكور سينيها لكم بلي بلي الجزائر هي الوحيدة في إفريقيا ولا في شمال إفريقيا سيدي اللي قاعدة توقف على رجليها بالمبادئ تاعها ولي برانسيب تاعها ولي تاعها المواقف تاعها السياسية الدبلوماسية المواقف تاعها مع البلدان المحقورة والبلدان المستعمرة هي اللي قاعدة لو بروجي تاعهم المشروع تاعهم الأول بما يخص الجزائر هي تحطيم الجزائر هي زعزعة استقرار الجزائر الدولة الجزائرية كي تقولها سواء في الخطابات ولا في الصحف ولا في التلفزة ولا الناس ما تامنش يقول لك عم يخلعوا فينا حقيقة هذه حقيقة ولا هاد الشيء كامل اللي انا نهضروه والناس هادو ما مش حابين يزعزعوا استقرار الجزائر مالا انت ما ما, ما فيكش ما ما نقدروش نهضروا معاك ما نقدروش داكور هذه هي للاسف حنا العدو ديالنا الكيان الصهيوني صاب قدامنا جارنا قدامنا صاب صاب خاين يخدم معاه ويعطي له بلادو ويعطي له ويعطي له ويعطي كلش باش يدمر باش يستعملوا باش يدمر الجزائر للاسف كاين هذا المخزن هذا قدامنا قد للاسف دوكا وصاب واحد اخر يخدم معاه مطبع اللي عنده دراهم الى بوكو دارجون وال وال ديالو هي ليسبيوناج او يخدم به كذلك وهي رايحه وهادو ما راهم يزعزعوا كامل في الساحل في منطقه الساحل راهم كامل هاد البلدان راهم يدوروا علينا تحير نتايا دو جو اون دومان يدور علينا واحد النيجر قال لك علاش تحوزونا لي علاش تحوزو لي ريسورتيسون تاعنا كي يدخلوا لبلادكم شو هذيك الفهامه لو نيجر عاوننا حنا لو جين في نيجر فهاد الكو ديتا دا لي دار لي صرا غير كيما وقفنا معاهم اون ميدياتور اون ايتي اون بور لا بي اون تروفي دي سوليوشن

كاين دي تيروريست تتحير على بالك واش المالي نيجر المخزن ليبيا وراك وراك رايح دونك سي كومبليكي دونك يفوا تخي برودون وزيدنا كان لي سبيوناج وزيدنا كان الاخر وكذا مي بون حنا نديرو اللي علينا اون تيان بارطاجي هاد لي زانفورماسيون مع خاوتنا نتا تعرف الاخر يعرف الاخر يعرف وهي رايحه سا. Au moins, on est au courant. C'est exactement ce qu'on a fait, attention, en 2010 et en 2011. C'est pas pour rien. Au moins, Ça peut servir. C'est comme ça qu'on fait. En 2010 et en 2011, surtout en 2011, début, اون سافي با سكي الي سباسي اون ليبي ما على بالناش واش كان صاري في ليبيا ما على بالناش واش راح صاري في تونس ما على بالناش واش راح يصرا في سوريا ما على بالناش واش راح يصرا في كامل البلدان داكور اون كومونسي ا بارلي شفنا بلي سي لوش شفنا بلي يا اون مانيبيولاسيون نيفو دي ميديا الجزيره تخرط لي زيميسيون شفنا الخونه كامل في الانترنت يهضروا باش ينوضوا الشعب شفنا بلي سي ان بروجي ديابوليك وكانوا كانوا يسيروا فيهم دي زون شفنا, شفنا 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 عرفنا بلي يا دو دونك الحمد لله ما صراتش ما كارثه مي من, من بعد من بعد شفنا كوالد في البلدان الاخرين حنا كي كنا نهضروا كانوا الناس يسميو روحتهم معارضين كانوا يقولوا لنا انتم شياتين انتم خلصتكم الدوله وحنا شوفوا سيادكم في تونس شوفوا سيادكم في ليبيا شوفوا سيادكم في سوريا هذو كانوا سيادنا هذوك اللي قتلوا القذافي ودايرين به ودايرين الكحول و... وكانوا ي... كانوا ي... يستقبلوا ساركوزي واستقبلوا بيرنار غيليفي واستقبلوا فرنسا واستقبلوا بلوفسكوني واستقبلوا كامل هادوما اللي عطاو بلادهم وقسموا معاهم ثروات تاع بلادهم بوكسوا معاهم راو لهم دي كلش باش الدراهم قاعد داوهم تاع القذافي في البنوك تاع البلاد داو كلش لي بيي دو لوطون هادو قبل ما تخلط كانوا يقولوا لنا هادوك سيادكم تما ثوار هادوما داكور حنا كنا نقول لا لا ماشي هكذا دا. ضد القذافي داكور بصح ماشي بهاد الطريقه وما تمشيش مع بلدان لوطون وما تمشيش مع البانو الصهيون وما تم اكسيتيرا اكسيتيرا ما نقبلوش هادشي داكور حتى من بعد تهدموا البلدان و... وماتوا تعرفوا ماتوا الالاف والالاف ماتوا الالاف اوكي ماتوا الالاف تاع السوريين وتاع الاخر عجب شفنا العجب على بالكم على بالكم لو كان صارت كارثه في الجزائر الله ما تفرى في سوريا في سوريا اون اسباس دو, دو 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 جو سي با ان ولا ان تيت بيريود هكذايا دخلوا اكثر من سنتين دو ناسيوناليتي ارهاب ارهاب تاع الجابون ارهاب تاع وسمو ارهاب تاع لي بي دلاست ارهاب الناس اللي تحب تحب تذبح وتحب تقطع الريسان دوك المهابل كاع دخلوا لتما يعاونوهم بلدان واحد اخرين قطر كانت تعاونهم آه، كانوا لي لز، زيسبيون لي ميرسونال اللي يخدمو مع لي بي زوكسيدونتو يمولوهم يعطوهم السلاح في في شهر شهرين دخلوا قاع ريبوا الحاله تما داكور يتيري ومن بعد يقول لك بشار هو اللي قتل ومن بعد يقول لك دا روح فريها نتايا يعني. روح ارسل لك هم بعد انت خرجهم دونك الناس ما حبش تفهم بلي هذه الهضره هذه اللي يوتيل باش الناس تولي تفهم حنا هضرنا على ذاك كاين ناس بزاف فهمت فوالا 2010 الان كاين 13 14 اون فا دير 14 اون كاين لي جون تما كان عندهم بالك 20 اون دوكا عندهم 30 اون ولا اون فا enfin 32 ans, 33 اون جو سي با هذوك هم كبار دونك الى كومبري فهم ونهار اللي تزيد تعاود الى تعلم هذا الدرس هذايا هذه هي هذه هي وسناو كاين هذاك الوقت اللي كانوا مع هاد مع هاد المشاكل وكانوا حابين الجزائر تتهدم وتتحطم ودوكا مقلبوا الفيستا ومقلبوها زعما محللين وكذا من هيك حنا نعرفوهم باش نفهموا هو كاين اللي تديسبارا وكاين اللي ولا محلل زعما ويهضر على سيتيونات تبلعطنيش كاع انت راك كيما نقولوا شاركت في آآ آآ يعني تهديد كبير للجزائر هذاك الوقت شاركت فين انت تحبوا الاكرر قول لي ما نعرفش قول الناس ما تعرفش قول لهم سمحوا لي هذه هي فباف هذه قضيه وحده اخرى على كل حال ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وان شاء الله ها. ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله دونك يا الخوا هذا هو الموضوع تاع اليوم أه نعود نولي ان شاء الله في بلوس دو ديطاي دي ان شاء الله هذا أه في وقت صغير هكذا هذا واش جبت لكم انفورماسيون باللي فوالا باللي الاحداث كو تشوفوا لي زيفالمون هادي مور هادي أه وانا نتبع الناس واش تقول باسكو انا نهار اللي هضرت الكلام هذا لويزا حنون جو سي بوزي لا كيسيون قلت انا كيس كي سباس جو انتروجي سي انتيروجي اي فينالمون الكلام ديالها صحيح الان الان فوالا الان نشوفو الان دوك نشوفو نشوفو كيفاش ليفوليسيون دو لا سيتوياسيون وكيفاش الدولة الجزائرية راح تتعامل مع هذه القضية ان شاء الله ما يكون غير الخير على كل حال بلا كاين امور ما نعرفوهاش حنا نديرو اللي علينا وهذا مكان الخوا بارك الله فيكم أه... بارطاجي لايكي سي سا فوزا بلو هذه هي لافورماسيون تقويه الجبهه الداخليه هي الحصن المنيع لحمايه بلادنا ان شاء الله يا ربي حقيقه لانه اللي يحطم الجزائر ما يقدرش يحطمها من, من, من الخارج لانه الجزائر محميه كاين رجال الخفاء وكاين وكاين لي سيرفيس تاعنا وكاين ناس تحمي الوطن هذو هذيا ما لحمايه الوطن صح ولا يقدروا يمانيبوليو داخل الجزائر يعني الشعب من الداخل الجزائر داخل هذاك هو هذاك هو المشكل اذا الشعب لازم يفهم لازم يعرف وانا شفت في تيك توك وكاين في عده يعني دي بلاتفورم هكذا كيما هادو ما تيك توك إكسيتيرا شفت بعض الشباب الله يستر الله يستر ان شاء الله برك يفيقوا بالخف وحنا رانا هنا ان شاء الله باش نفيقوهم كما لازم الحال ان شاء الله بارطاجيو لنا برك تهلا في روحتكم يا الخوا بارك الله فيكم تصبحوا أه بخير تحية الجزائر أه غدوه ان شاء الله نزيدو نصومو دونك أه العيد ميركودي أه الاربعاء أه ولا ما تلاقيناش أه غدوه ان شاء الله نقول لكم صحه عيدكم كامل كل عام وانتم بخير ولا العام الجاي ان شاء الله فوالا ان شاء الله صيامكم مقبول وصحه ولهنا كما نقولوا انسيك أه